Non, nous sommes sereins. C'est un débat. Nous sommes sereins. C'est un débat intellectuel et politique à la fois. Je dirais mieux, c'est un débat technico-politique. Au niveau de la commission élection, le débat se poursuit sur les questions relatives au fichier électoral. On va aborder bientôt la question relative aux séquences des élections et sûrement la question relative au calendrier. Mais au moment où je vous parle, le débat est en train d'être amorcé. Et je pense que pendant la petite pause de 5 minutes que Monseigneur nous a accordée, nous allons approfondir le sujet. La question est simple. Les partis ont des propositions différentes sur plusieurs sujets. Sur la question du fichier électoral, la CENI nous a déroulé un certain nombre des aspects techniques qui vont nous permettre de débattre sur les sujets. Ce que nous attendons de nos amis du Rassemblement, autant que ce que nous attendons des amis du MLC, comme ce qu'ils attendent de nous, ce que les uns et les autres viennent avec des propositions concrètes, documentées, techniquement justifiées. Si les uns et les autres ont présenté leurs propositions et que les propositions sont jugées techniquement justifiées, je ne pense pas qu'il y ait intérêt à ce que les uns et les autres ne s'ajustent pas. C'est même le sens de la démarche que nous avons. Mais je pense qu'à ce stade, les options ne sont pas encore levées. À la fois sur la question du fichier, comme sur la question des séquences des élections, où l'opposition qui a été au dialogue a suggéré que nous puissions avoir en même temps les trois élections. Nos amis du Rassemblement ont suggéré, et vous le savez, qu'il fallait coupler la présidentielle et les législatives 3 mois après qu'on puisse organiser les provinciales. Je pense que c'est de ça que nous allons discuter tout à l'heure. Et c'est l'option qui sera prise en définitive qui va permettre de dérouler le délai qui nous permet finalement de fixer ce qu'on peut appeler la date de la transition. À ce stade, on peut pas aller au-delà. La plus grande question, c'est...